C'est bon, Laetitia, tu m'entends? Tout le monde m'entend? Bonjour. Oui, ok, parfait. Alors, c'est bien, vous m'avez dit, c'est bon. Ok, très bien, je corrige. Alors, donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, dans le workshop freestyle qu'on va faire, on va parler de tout ce qui est la créativité et comment créer davantage de chorégraphie dans vos cours. Alors, donc, si vous avez des questions pendant le cours, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez échanger aussi, bah, vous me dites. Donc, vous posez une question, par exemple, lorsqu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous posez la question, puis moi, je vais essayer de vous répondre assez rapidement. Très bien. Donc, comment être plus créatif? Donc, on va voir différents aspects de la créativité, donc les différents outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre cours. Et puis, on va essayer justement de bien les expliquer. Alors, donc les objectifs, c'est tout simplement de revoir un petit peu les cinq clés de l'enseignement, de voir les variations. Donc, vous avez dans les variations, vous avez des choses que vous avez déjà normalement vues dans les centres de formation. Mais moi, j'en ai ajouté quelques-unes qu'on ne fait pas forcément dans le freestyle, mais qui sont très intéressantes. Ensuite, on va voir aussi les huit facteurs de style. On va parler de la musicalité, de la relation musique-mouvement. On va parler aussi du storytelling, tout ce qui est texture et les couches pour un mouvement. Et ensuite, les méthodes pédagogiques et le rythme de l'enseignement qu'on va pouvoir utiliser. Donc, dans nos cours. Alors, donc les cinq clés d'enseignement. Les cinq clés d'enseignement qu'on va avoir, donc ça va être tout ce qui est la chorégraphie, la pédagogie, la communication, l'animation et la technique. Alors, chacune de ces clés d'enseignement, on va pouvoir les améliorer. Donc aujourd'hui, on va essentiellement se focaliser sur la chorégraphie, mais on va aussi parler des autres aspects, donc qui sont indispensables. Aucune de ces clés ne peut être séparée et travaillée que individuellement. Donc même si vous travaillez la technique, à un moment donné, même dans la technique, vous avez une certaine chorégraphie. Vous allez avoir aussi un travail d'animation, de la communication, de pédagogie, etc., etc. Donc dans le travail technique, moi je vous conseille surtout de vous orienter sur les cours de danse. Bien évidemment, je vais développer certains aspects que vous allez retrouver dans le travail de la danse, mais c'est vrai que suivre des cours de danse, ça peut être pas mal pour améliorer votre technique. L'animation, bah, ça va être tout ce qui va être storytelling. Comment est-ce que vous racontez l'histoire pendant votre cours? Comment vous jouez avec la musique? La communication, ça va être votre façon d'enseigner, donc votre façon animer et surtout communiquer lorsque vous allez faire un mouvement ou une chorégraphie. Et la pédagogie, bah, ça va être tout simplement l'ensemble des méthodes qu'on va mettre en place pour enseigner une chorégraphie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses que normalement vous connaissez déjà, mais nous, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer vraiment de développer chacune de ces parties-là. Alors, la première partie, donc les sept variations. Donc, sur les sept variations, donc on va parler notamment de la première variation qui est la variation de levier. Donc, là, je vous fais juste une présentation générale, mais après, on va aller un petit peu plus loin. Ensuite, on a les répétitions de levier, on a les propulsions, on a les rythmes, l'orientation, le style et les bras. Donc, avant même de se focaliser sur ces sept variations, la première chose à faire, en fait, c'est d'apprendre tout simplement tous les pas de base qu'on a. Et ensuite, on va chercher à jouer donc avec ces variations. Alors, on a trois familles de pas de base. On a la famille des marches, la famille des tapes et la famille des touches. Donc, la famille des marches, en fait, ça va être tous les pas qui sont sans alternance, où il n'y a pas forcément d'accent lorsqu'on est en train de les exécuter. Sur la famille des tapes, on va avoir des accents qui vont être sur 1, 3, 5, 7. Donc ça, c'est très important pour la suite. Et puis après, on va voir la famille des touches où les accents sont sur 2, 4, 6 et 8. Yes? Donc sans forcément voir encore les pas de base, on va essayer juste de revoir un peu la logique de la famille des... donc de la logique, pardon, du travail en freestyle. Donc, dans la logique du freestyle, en fait, c'est très simple. Lorsque vous avez additionné
ou lorsque vous créez une chorégraphie, à partir du moment où vous avez un mouvement de marche et que vous continuez avec un mouvement de marche, ben vous avez pas, vous n'allez pas avoir un changement de pied leader. Un exemple tout concret, je suis en train de faire un basique, donc j'ai commencé avec mon pied droit. Si je fais des basiques jusqu'à la fin de mon CD, normalement, je dois toujours rester sur le pied droit en compte numéro 1. Donc ça va faire basique, donc 1, 2, 3, 4. Le compte numéro 1, ça va être le pied droit. Le compte numéro 2, ça va être le pied gauche. Le compte numéro 3, ça va être le pied droit à nouveau. Et le compte numéro 4, ça va être le pied gauche. Okay? Donc vous pouvez tester ça sur la musique. Donc si vous continuez à le faire non-stop, 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 jusqu'à la fin de la CD, vous allez toujours avoir le pied droit leader. Okay? Maintenant, si dans cette équation on ajoute un tap, c'est-à-dire que là je fais de la marche et juste après je fais un tap, ben là en fait je vais changer le pied de leader. Pourquoi? Parce qu'en fait le tap c'est un pied qui alterne. Comme il y a un transfert de poids qui se fait, donc si on fait par exemple un pied droit, donc un tap sur le pied droit, et si je fais un tap et puis je continue à marcher, vous allez voir, donc si je continue à marcher jusqu'à la fin de mon CD, vous allez voir que vous avez en fait le pied gauche qui va être éternellement en pied leader. Et donc c'est pour ça qu'il y a un changement de pied leader. Okay? La même chose se passe lorsqu'il y a les touches. D'accord? Donc vous faites la marche, après vous faites un step touch, bien à nouveau vous allez avoir un changement de pied leader. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des taps et des touches? Donc lorsqu'on a des taps et des touches, il n'y a pas de changement de pied leader. Là, le pied leader, il reste le même. Et puis ensuite, si vous avez par exemple donc une alternance qui se fait entre tap, touch, tap, ou tap, 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 ou touch, 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 là vous allez avoir le changement de pied leader. Et puis la dernière chose, si vous faites donc le tap, touch, tap, et puis ensuite vous continuez à marcher, vous allez avoir un changement de pied leader. Si maintenant ici, on change la marche par exemple par un tap ou par un touch, eh bien, il n'y aura pas forcément de changement de pied leader parce que ici le tap et le touch s'annulent. Donc si j'en ai 4, eh bien, là il n'y a pas de changement de pied leader. Si j'en ai que 3, il y a un changement de pied leader. Yes? Donc ça c'est vraiment les choses les plus simplistes et les choses que vous connaissez déjà. Maintenant, une fois qu'on a compris un peu la logique du freestyle, on va essayer de voir un peu ce qui se passe dans chacune des familles. Ok? Donc, on a des familles, donc à nouveau des marches, les familles des taps et les familles des touches. Donc là, je vous ai mis exprès, donc à chaque fois, donc quand il n'y a pas d'accent ou quand il y a des accents. Okay? Donc vous voyez ici, vous avez des accents sur 1, 3, 5, 7. Ici, donc sur la famille des touches, vous avez des accents sur 2, 4, 6 et 8. Okay? Et puis après, bah, chacune des familles a des pas de base. Okay? Que vous pouvez donc reproduire. Normalement, c'est des pas que vous connaissez déjà. Moi, je les fais dans tel ordre, en fait, où on commence par les pas les plus simples vers les pas les plus complexes. Par exemple, le tourne-chaîné, par exemple, c'est un pas qui est très complexe parce que ça nécessite à la fois de l'orientation. Et puis, comme vous avez par exemple plusieurs tours qui s'enchaînent, donc vous pouvez faire par exemple 3 ou 4 tours sur un tourne-chaîné. Et bien là, en fait, c'est déjà très compliqué. Idem pour tout ce qui est catch step, parce que là, on a aussi une variation de rythme. Ici, c'est une variation d'orientation qui se fait sur un half L basique. Le kickball change, c'est aussi une variation de rythme et de levier en même temps. Donc, j'ai un levier plus une variation de rythme. Donc, ça, c'est pour la famille des marches. À chaque fois, je vous associe des comptes. Comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile pour donc faire des comptes pour un bloc. Ensuite, sur la famille d'étapes. Ben vous allez avoir donc tout ce qui est tap, genou, lift, kick, talon, fesses, etc., etc. Donc généralement, on commence par le tap ou le genou parce que c'est des chefs de famille. Puis après, vous descendez vraiment vers les choses un peu plus complexes. Donc le ball change ou le tournant ball change, voire même un axel. Un axel, c'est quand vous sautez. Donc vous avez fait un saut et puis que vous êtes en l'air, donc avec un ball change. Et puis après, vous avez le bloc. Alors le bloc, proprement dit, ce n'est pas forcément issu de la famille des taps. Mais par contre, comme on peut remplacer un tap par un bloc, moi j'ai préféré quand même donner cette option et vous dire, ben voilà, vous pouvez aussi l'utiliser ici. Donc ensuite, vous avez la famille des touches. Sur la famille des touches, ben là, vous avez les différents pas, okay, que vous pouvez utiliser. Et puis ici, il y en a beaucoup, quoi. Vous avez le ball change. Alors le ball change, ça peut être le ciseau, enfin, step ciseau, step ball change, Charleston, step jump, step tap, etc., etc. Et vous allez pouvoir retrouver ici. Bien évidemment, moi j'ai fait un step touch, donc je l'ai compté aller-retour.
Donc ça fait 4 temps. Mais si vous faites juste un step touch classique, ça vous fait 2 temps. Okay? Là, ici, j'ai compté les allers-retours. Une fois que vous avez ça, ben, en fait, tout de suite, après, on peut parler des deux premières variations qui sont les variations de levier et les variations de la répétition des leviers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc là, tu me dis, OK, Marco, c'est quoi le levier? Alors, imaginons que je fais un V-step. OK? Donc, quand je vais faire un V-step, eh bien, si je fais un levier, ben, ça va être issu d'une des familles ici, donc la famille d'étapes. Donc, par exemple, je vais lever un genou. Donc, je vais faire un V-step, je vais commencer à faire 1, 2, et au niveau 3, au niveau du genou 3, donc au niveau de mon compte numéro 3, je vais lever un genou sur le compte numéro 3. OK? Donc, ça, ben, là, tout de suite, ça peut être symétrique. Après, si j'ai envie de faire une répétition de levier, je peux faire V-step, je rajoute un genou à 3, et je rajoute ensuite un genou qui va être un compte numéro 5. Okay? Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je descends de mon step. Donc ça c'est vraiment un exemple que vous pouvez vous essayer et faire. Donc ça c'est vraiment ensuite, donc ça c'est la base de levier. Maintenant si j'ai envie de par exemple ajouter les répétitions de levier, c'est-à-dire que par exemple je me lève, je fais V-step et ensuite je fais 2 steps genoux, puis ensuite je fais 1 step genoux. Okay? Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Okay? Donc là, j'ai ajouté 2 du côté droit et un genou du côté gauche. Donc là, j'ai joué sur la répétition des leviers. Okay? Et donc, je peux faire exactement la même chose sur la famille des touches. Donc, par exemple, lorsque je fais par exemple, V-step suivi de un step touch. Ben pareil, je peux faire V-step, je commence mon V-step, sauf que j'ajoute tout de suite 3, par exemple 3 touches. Donc ça me fait un step 3 touches. Ouais, step touch, mais répété 3 fois. Okay? Donc c'est que ça en fait. Ça, c'est vraiment la partie la plus facile quand il s'agit des leviers. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc la même chose en fait je peux le faire sur tous les pas. Hein. Si je le fais sur e-step, ben, je peux rajouter un genou quand je veux. Si je le fais sur Mambo, je peux rajouter un genou. Donc ça c'est vraiment les variations que je vais mettre par-dessus. Ok? Très bien. Une fois que j'ai ça, maintenant je vais aller un petit peu plus loin dans mes propulsions. Alors les propulsions, donc ici vous allez avoir différentes propulsions. Sur les leviers, ben, comme je vous ai dit, vous avez genou, talon, kick, twist. Ici, c'est alterné ou simple. Alterné, ça veut dire que je vais faire 3 d'un côté et 2 de l'autre, ou 2 d'un côté et 1 de l'autre, etc., etc. Les simples, ça veut dire qu'en gros, ben, une fois que j'ai fait un genou droit, eh ben, je vais faire un genou gauche. Donc ça, c'est que simple. Ok. Les propulsions. Alors, on en a 5 propulsions différentes. Les premiers, c'est en fait ce qu'on appelle les leaps ou les bounds. Ensuite, on a les hop. Ensuite, on a la combinaison des deux, le leap hop. Ensuite, on a les jump, la season, l'assemblée. Donc ça, c'est concernant les propulsions qu'on va voir juste après. Concernant des rythmes, on va avoir donc les contretemps, les dédoublés, les doubles tempos, les triplés, les accents. Concernant l'orientation, on va avoir l'espace horizontal, mais on va avoir aussi l'espace vertical. Pour le style, on va voir tout ce qui est fluide et tout ce qui est saccadé. Et pour finir, donc quand il s'agit des bras, on va avoir des bras qui vont être asymétriques et symétriques. Et après, ben vous allez voir, on peut faire aussi un petit jeu aussi sur les mains, où ça va être encore plus complexe. Très bien, on passe sur les propulsions, si c'est bon pour tout le monde. C'est parti pour les propulsions. Alors, les propulsions, donc les hop, c'est quoi? Les leaps, c'est quoi? La season, l'assemblée, le jump, c'est quoi? Alors, le hop, en fait, on va faire un saut avec un atterrissage sur le même pied. Donc, si je fais step genou et je saute, en fait, je vais atterrir sur le même pied. Et l'impact, par contre, ça va être sur 2, 4, 6 et 8. OK? Les leaps, en fait, ça va être tout ce qui est saut de l'atterrissage d'un pied, donc sur l'autre pied. Donc, j'ai commencé. J'étais appuyé sur ma jambe droite. Maintenant, je vais basculer sur ma jambe gauche. Okay? Donc, je vais avoir ce transfert de poids droite-gauche. Et donc là, c'est les leaps. Ensuite, la season. Donc, pardon, les impacts sur le leap, ça va être sur 1, 3, 5 et 7. Sur la season,
En fait, c'est départ sur deux pieds et on atterrit sur un pied. Donc, par exemple, je suis pieds joints et je saute et j'atterris que sur un pied. Donc là, en fait, là, ça peut être neutre. En fait, il n'y a pas d'impact forcément. Donc, c'est des pas neutres. On peut aller soit à droite, soit à gauche. C'est nous qui décidons de quel côté on veut y aller. Pour l'assemblée, en fait, c'est un départ sur un ou deux pieds et on atterrit sur deux pieds. C'est pour ça que ça s'appelle un assemblée. C'est-à-dire qu'on est, d'un côté et hop, on atterrit et on a les pieds qui sont collés l'un à l'autre. Donc ça, c'est tout ce qui est assemblée. Les jumps, on est beaucoup plus sur un départ, donc départ sur deux pieds, atterrissage sur deux pieds. À nouveau, donc si vous faites un, vous êtes, par exemple, vous faites basique mais avec des pieds joints et après quand vous sautez en arrière ben, vous allez faire un jump mais vous allez faire un jump en atterrissant sur deux pieds. Okay? Donc ça c'est vraiment les choses déjà sur lesquelles vous pouvez ajouter les choses que vous pouvez pardon ajouter dans votre création chorégraphique. Donc si vous faites par exemple un vous faites un box step, okay? Donc je fais box step, je fais le départ du box step. 1, 2, et là par exemple j'ai envie de sauter en arrière et j'atterris juste sur un pied puis ensuite je pose l'autre pied, et ben j'ai automatiquement eu donc un mouvement de saut, de propulsion. Et donc j'ai ajouté quelque chose de nouveau dans ma chorégraphie. Si c'est bon pour tout le monde, on peut avancer un petit peu. Vous me dites toujours, moi je suis toujours en demandeur de questions si jamais c'est bon. Si jamais c'est pas bon. Yes, pas de questions. Parfait, ben on avance. Une fois qu'on a maîtrisé ça, ben on va essayer de se focaliser sur le rythme. Alors, les rythmes, donc on va avoir les contretemps, les dédoublés, le double tempo, les triplés. Et puis les accents. Alors le contretemps. Donc on va avoir trois appuis sur deux temps. Par exemple un pas de bourrée, c'est trois appuis sur deux temps. On va voir aussi un dédoublé. Donc un dédoublé, c'est un appui sur deux temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le blocage, c'est-à-dire je bloque. Et donc en gros, j'ai deux temps, je bloque sur deux temps. Ensuite on a le double tempo, c'est-à-dire qu'on va faire quatre appuis sur deux temps. C'est-à-dire que je vais chercher à accélérer mon mouvement. Les triplés, donc ça c'est des choses, les contretemps, les dédoublés, les doubles tempos, c'est généralement ce qu'on utilise en step and aéro. Maintenant, aller un peu plus loin, ça va être tout ce qui est triplé et accent. Les triplés, en fait, c'est à faire trois appuis sur un temps. Donc là, c'est très très rapide, ça va très très vite. C'est un pas de bourrée accéléré, par exemple. Et après, vous allez avoir des accents. Donc c'est par exemple, vous avez un step genou et vous avez dans votre musique, vous avez un accent qui est fait sur le compte numéro 9. Et donc comme il est fait sur le compte numéro 9, en fait vous allez accélérer, vous allez bloquer le genou sur le compte numéro 9, et ensuite vous allez attendre un petit peu un quart de note, et ensuite vous allez accélérer pour rattraper le compte, pardon, sur le compte suivant. Okay? Donc là j'ai dit compte numéro 9, mais on compte jusqu'à toujours jusqu'à 8. Donc compte numéro 8, j'ai levé le plus rapidement possible, j'ai bloqué un petit peu, j'ai suspendu, et ensuite je suis revenu sur mon compte principal. Okay? Donc ça fait step genou finalement. Mais que ça fait différemment puisque vous avez créé en fait une texture avec votre rythme. Ça fait accélère-ralenti finalement. Très bien. On avance un petit peu. Ensuite, la cinquième variation, c'est tout ce qui est orientation. Donc on a l'espace horizontal et on a aussi ce qu'on me disait tout à l'heure, l'espace vertical. Pour l'espace horizontal, ben, on va donc travailler tout ce qui est vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. Donc je ne suis pas toujours obligé d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Attention, donc ça c'est vraiment la base de la base. Vous pouvez orienter votre step à droite, vous pouvez orienter votre step à gauche, vous pouvez orienter votre step en diagonale. Vous pouvez faire aussi des trajectoires rectilignes. Vous pouvez faire les approches en L, vous pouvez faire les approches en A, vous pouvez faire les approches en V. Vous avez aussi la possibilité donc de travailler sur tout ce qui est trajectoire courbe. Vous avez possibilité en fait de faire sur tout ce qui est dessin fermé, triangle, losange, etc., etc. Et puis ensuite tout ce qui est dessin ouvert. Donc par exemple vous avez commencé un triangle mais vous n'avez pas fini, vous avez continué avec une autre courbe. Et donc du coup ce qui est intéressant en fait en travaillant comme ceci, ben, finalement vos chorégraphies ne vont pas toujours se ressembler, ne vont pas toujours être identiques. Et c'est là où vraiment c'est intéressant parce que chacune des chorégraphies en fait elle peut avoir une vraie histoire. Tout simplement
avec vos dessins, avec vos trajectoires, avec l'utilisation de l'espace horizontal. J'avance encore un petit peu. Ensuite, vous allez avoir l'espace vertical. Donc, on va essayer de travailler sur le niveau haut, sur le niveau moyen et sur le niveau bas. Sur le niveau, ça va être tout ce qui est levé sur la pointe de pied ou tout simplement des sauts. Sur les niveaux moyens, ça va être les orientations du buste. Est-ce que votre buste il est vers l'avant? Est-ce que votre buste il est vers l'arrière? Est-ce que vous êtes sur les côtés, etc., etc. Et ensuite, vous allez avoir le niveau bas, donc en fait, qui va être les flexions et les pliés. Alors, les flexions, ça va être à nouveau, ça peut être la flexion du buste, ça peut être aussi la flexion du genou, ça peut être aussi la flexion de la cheville. Donc après, vous pouvez jouer justement sur les articulations, c'est en fonction de comment vous le souhaitez. Et les pliés, en fait, là, on est vraiment sur, là, on fléchit les jambes et on descend le plus bas possible. Donc là, c'est tout ce qui est plié. On peut aller aussi au sol, dans certains cas, même si c'est vrai que c'est pas forcément conseillé dans le monde du fitness, mais vous pouvez, dans certains cas, aller chercher plus, vous, en tant que prof, dans les mouvements du sol. Alors, à nouveau, maintenant les approches. Donc, à nouveau, les approches, c'est à peu près les identiques comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'espace horizontal. Donc, si vous êtes par exemple en step, vous pouvez travailler de face, vous pouvez travailler de profil. Donc, ça peut être à gauche ou à droite. Par-dessus du step, devant ou derrière le step, à cheval, en diagonale, autour, avec une rotation ou au bout du step. C'est à vous, après, derrière, de voir ce qui. Voilà, comment vous voulez vous positionner. Donc si je fais par exemple un V-step, je vais le faire de face. Si j'ai envie de faire un V-step, mais par exemple j'ai envie de faire une rotation, donc je vais tourner, je vais commencer à faire mon V-step, donc ça va devenir comme une espèce de reverse, et après je vais m'arrêter à cheval. Et là automatiquement j'ai déjà une orientation, alors que à la base c'était mon V-step que j'étais en train de faire. Ok. Ensuite, là vous avez la possibilité donc de voir un petit peu comment on fait. Donc on a un reverse, on peut le faire de côté, de devant, par-dessus du step, un pied sur le step, l'autre pied qui n'est pas sur le step, derrière le step, on peut couper le reverse en deux, on peut jouer avec comme ce qu'on veut. Et puis derrière, en fait, ici, vous avez une progression, okay, qui peut être faite pour un mouvement donc du basique jusqu'à la pirouette accélération tourne derrière le step que vous pouvez faire en fait tout simplement sur votre step. Et la même chose s'applique aussi sur l'aéro. Ensuite, ce qui peut être assez intéressant aussi, là ça prend un petit peu plus de temps, c'est tout ce qui est orientation du groupe. Donc ça prend aussi un peu plus de préparation. Donc, parfois, vous avez un groupe de personnes, donc vous avez, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes. Mais vous pouvez soit diviser votre groupe en deux, soit vous pouvez faire donc face à face, soit vous pouvez chaque groupe peut être par exemple dos à soi. Donc vous pouvez le faire aussi de profil, donc ce qu'on fait d'habitude, chacun est de profil finalement. On peut avoir des gens, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, face à face. On peut faire des chorégraphies en cercle, on peut faire des chorégraphies en ligne, on peut faire des chorégraphies en V ou en A. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, finalement, elles ne sont pas forcément exploitées. On est plutôt ici. Hein. Généralement, c'est ça, ce qu'on fait dans les cours. Alors que ça, en fait, ça peut être vraiment intéressant. On peut faire en croix, on peut faire deux groupes, donc une face à une de dos. Donc une personne, des personnes qui sont de face et des personnes qui sont de dos. Un step vertical, on peut après multiplier le nombre de steps, on peut faire deux personnes sur le même step. Etc., etc. Donc là, c'est vraiment la limite, c'est tout simplement votre imagination. On peut combiner tous ces trucs-là, hein, si vous voulez. Ça va être un peu plus complexe, mais voilà, vous pouvez le faire. Ensuite, tout ce qui est style. Les variations de style, on va avoir des styles qui vont être plutôt fluides et on va avoir des styles qui vont être plutôt saccadés. Alors, les styles pardon, qui sont beaucoup plus fluides, c'est des styles comme le waving, le bugalo, la danse orientale, la danse indienne, la danse contemporaine, le ballet, etc., etc. Et puis après, ici, vous allez avoir des mouvements qui sont un peu plus saccadés. Donc, popping, jump style, hard style, free step, locking, dans certains cas aussi de la house. Et puis après, vous avez un style qui regroupe un peu tout ça. C'est ce qu'on appelle l'électrique bougalo. Donc, c'est un style de danse qui regroupe toutes les danses. C'est pas mal. Puis après, vous avez aussi, bien évidemment, les anciennes danses, hein, comme le ballet aussi. Qui lui a entre les deux aussi, ça peut être fluide et saccadé. Ça dépend de l'orientation de la chanson, etc., etc. Même si c'est vrai que ballet, parfois, il a tendance plutôt à aller sur le côté fluide. Ensuite, les bras. Donc, ça, c'est vraiment la dernière variation. Alors, les bras, en fait, on va avoir différents niveaux lorsqu'on va utiliser nos bras.
Donc, le premier niveau qui est le plus simple, en fait, c'est les deux bras qui font le même mouvement simultanément. Donc, par exemple, je lève ma bras droit et mon bras gauche au-dessus. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus facile à faire, normalement, pour les gens. Maintenant, la problématique, c'est associer ça avec. Salut Amina. À mettre ça avec les mouvements du bas. Ensuite, le deuxième niveau, en fait, les deux bras vont faire le même mouvement, mais alternativement. C'est-à-dire que je lève d'abord le bras droit. Je lève ensuite le bras gauche. Donc là, ça devient déjà un peu plus complexe parce qu'il va falloir associer les jambes. Le troisième niveau, les deux bras vont être asymétriques alternativement. Donc c'est-à-dire que je lève le bras, je descends l'autre bras, mais sauf que j'y en a un que je vais lever sur le compte numéro 1, l'autre que je vais baisser sur le compte numéro 2. Donc déjà là, ça devient un peu plus complexe. Et puis ensuite, vous allez avoir un quatrième niveau, donc les deux bras qui vont être asymétriques simultanément. Ok? Et donc du coup, bah là, ça peut être, donc ça va, là, ça va être un petit peu plus complexe. On peut faire, par exemple, d'un côté, on fait un coude, de l'autre côté, on fait une extension du bras. Okay? Donc là, ça va être un peu plus complexe. Ensuite, pour aller plus loin, même dans la création, on va pouvoir en fait créer, donc, et multiplier les angles. Donc on va ajouter le coude, on va ajouter l'épaule, on va ajouter le poignet, on va ajouter les doigts. On va varier aussi les plans. Donc un bras qui va aller au-dessus, l'autre bras qui va aller sur le côté. Un bras qui va aller sur le côté, l'autre bras qui va aller vers le bas, etc., etc. Ensuite, donc bien évidemment sur les bras, on peut aussi jouer sur la fréquence. C'est-à-dire qu'on peut créer aussi des contretemps. Par exemple, il y en a un bras qui va se lever juste sur un compte et l'autre bras qui va faire un saccadé sur un compte, mais en fait avec une variation de rythme. Donc on va le faire 3-4 fois, mais sur un compte. Donc on va accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. On peut le faire tous les temps, on peut dédoubler, c'est-à-dire que je lève un bras et l'autre bras, je le bloque. Okay? Ou le faire 3 fois, etc. etc. Okay? Donc ça, c'est vraiment varié. Et ensuite, vous allez avoir aussi la forme des mains, c'est-à-dire que vous pouvez créer des mains, on va le voir juste après, comment on peut créer les différentes positions avec les mains. Et puis vous avez aussi la possibilité donc de travailler tout ce qui est association et dissociation entre les mouvements des jambes et des bras. Plus vous allez avancer dans le step et l'aéro, plus vous êtes capable de dissocier les mouvements entre les jambes et les bras. Plus vous êtes débutant, vous êtes dans l'obligation d'associer les mouvements des jambes et des bras. Okay? Et donc ça, c'est tout à fait normal. On avance. Pour les mains, on peut faire donc. Lorsqu'on va par exemple lever les mains ou mettre les mains devant, ou lorsque par exemple on va prendre juste la danse Macarena tout simplement. La danse de la Macarena, c'est quoi? Vous avez une bras tendu, ensuite bras sur le coude, bras sur le coude, bras sur la nuque, bras sur la tête, et après vous faites un petit mouvement machin. Mais vous voyez là, on est déjà sur un travail de bras symétrique, pardon, asymétrique, non-stop. Et ensuite, avec une variation, ensuite, qui, donc chaque compte va être différent. Donc on va avoir à chaque fois un bras qui va être différent. Donc ça, par exemple, on va voir donc les mains à plat, les mains à plat avec les doigts ouverts. Ensuite, on peut avoir les poings fermés. Donc on peut avoir un bras qui est ouvert, l'autre bras qui est avec un poing fermé. On peut faire une ellipse, une corolle, donc les paumes de main qui dirigeaient vers le haut, les doigts écartés en extension orientée vers l'intérieur de la main. Donc c'est comme une espèce de pétale de fleur que vous allez faire au-dessus de votre tête. Ensuite, vous allez avoir les divers mouvements. Après, on peut faire genre tout ce qui est bah, chute, stop, montrer du doigt, etc., etc. Donc ça, c'est après derrière, c'est à vous de créer en fonction de ce que la musique elle va raconter. On avance un petit peu. Normalement, là, c'est bon pour les 7 variations. Là, on va attaquer les 8 facteurs de style. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si c'est bon pour vous, ben, on avance. Yes, c'est bon. C'est bon, parfait. Question. Non. Ok, super. Ben, on avance. Donc là, on va parler des 8 facteurs de style. Alors, les 8 facteurs de style, donc, ils sont très simples, finalement, mais c'est vrai qu'on ne les utilise pas assez. Les 8 facteurs de style, en fait, c'est les têtes, l'épaule, le bras, les mains, le buste, la hanche, le genou et le pied. Alors, ces facteurs, pourquoi ils sont importants? Parce que finalement, c'est vrai que dans le step et l'aéron, on n'utilise pas du tout. La tête, les épaules, les bras on l'utilise un petit peu, les mains on les utilise quasiment pas, le buste
parfois, la hanche quasiment pas, les genoux et les pieds, ben, on les utilise. Donc les jambes, on les utilise beaucoup, les bras un petit peu moins, mais le reste, en fait, on ne l'utilise pas. Et donc l'objectif, en fait, lorsqu'on va faire notre style, c'est tout simplement de augmenter le nombre de articulations qui vont rentrer dans un mouvement. Okay? Donc là, et tout à l'heure, en fait, je vous expliquerai un petit peu comment. Donc je reviendrai. Alors, comment faire? Imaginez, vous avez un grapevine, côté gauche et côté droit. Vous avez quatre tendons ici, vous avez quatre tendons ici. D'accord? Donc sur le côté droit, en fait, lorsque je vais faire mon grapevine, donc sur quatre tendons, je vais enrouler l'épaule gauche en faisant mon grapevine. Je vais avoir un buste qui va être penché. Je vais avoir des bras qui vont être levés sur le compte numéro 4. Et je vais lever mon genou sur le compte numéro 4. Donc normalement, comment je fais un grapevine. Et de l'autre côté, donc lorsque je vais revenir sur l'autre côté, je vais avoir une tête qui va être penchée sur la gauche. Je vais avoir un bras, les bras qui vont être en bas. Et plutôt que de faire un genou levé ici, ben je vais faire un tap-talon. Donc ma base, c'est un grapevine, sauf que j'ai changé. J'ai varié bah, tous les facteurs en fait que j'ai pu, c'est-à-dire bah, la tête, je l'ai, les bras, je l'ai, le buste, il est légèrement penché de ce côté-là, les bras sont levés ici, les hanches, je les ai pas forcément utilisées, donc ça c'est pas forcément grave. J'ai utilisé le genou ici, par contre de l'autre côté, bah, j'ai fait un tap-talon. Okay? Donc je peux déjà comme ça varier mon style. Et là vous avez un grapevine. Et si vous faites grapevine de ce côté-là, ben vous faites comme ça, et puis de l'autre côté, comme ça, ben vous avez déjà un grapevine qui est différent parmi la plupart des grapevines qu'on a tendance à voir dans les cours. Okay? Donc déjà, cette première partie, elle est hyper, hyper importante. Maintenant, imaginez tout simplement que ben, plutôt qu'enrouler que l'épaule gauche ici, ben maintenant j'enroule l'épaule gauche ici aussi. Donc j'ajoute une composante qui est différente. Okay? Et à chaque fois, je sollicite l'articulation différemment. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est plus vous êtes capable de mobiliser d'articulations pendant votre mouvement, plus votre mouvement va être intéressant et riche. Moins vous mobilisez d'articulations, plus c'est académique et finalement plus votre style, bah, il est, on va dire, très gymnastique, très fitness, mais moins dansé. Et donc du coup, dans la créativité, bah, vous allez juste tourner autour des pas et pas forcément autour du mouvement et de la technique et des articulations. Donc je reviens un petit peu en arrière. En fait, pour pouvoir faire ça, ben, on va avoir différents outils. Ces différents outils, c'est tout ce qu'on appelle les reliefs. Alors les reliefs, en fait, on en a des dizaines et des dizaines. Là, je vous ai fait juste une petite liste. Donc on va avoir le bounce, on va avoir le contract, on va avoir le curve, on va avoir le body waving, on va avoir arching, dragging, locking, popping, tooting, isolation, freeze. Shift and lean, mess around, drop, recover, fall. Donc le fall sur la hanche, donc le tomber sur la hanche, donc en écart. On peut faire un grand écart. Moi j'en ai déjà vu dans les cours où les gens ils faisaient un grand écart. Le genou, l'épaule. Donc on peut tomber sur le genou. Dans certains cas, par exemple, il y en a des gens qui, bon, pas forcément Stéphane Aéro plus en danse, mais on le voit par exemple, ils descendent tellement bas, ils font un death drop et ils se remontent. On peut tomber aussi sur l'épaule, mais après, faire bien attention. Donc ça, c'est des choses un peu plus complexes sur lesquelles il faut faire attention, mais il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment s'amuser. Un freeze, par exemple, en deux temps, ça peut être comme un blocage. On peut demander, pendant notre cours, pendant un moment donné, j'ai dans ma pédagogie un bloc, et bien, je peux demander, par exemple, aux gens de faire une silhouette ou une posture pendant deux temps, puis de continuer de leur chorégraphie. Okay? Donc ça, c'est un freeze. Les rôles, donc tourner la tête, les ondulations, donc les ondulations avec les épaules, le shiver, le snake, le worm, le kiver, etc., etc. C'est des choses qui sont très très intéressantes lorsqu'il s'agit bah, de créer des reliefs dans vos chorégraphies. Une fois qu'on a vu bah, les reliefs et les huit facteurs de style, là on va se focaliser vraiment sur les textures. Donc les textures, bah, je vous ai déjà expliqué un petit peu, ok? Mais par contre, ce qui est important ici, c'est de voir en fait les différentes amplitudes, rythmes, inertie, combinaison et relief. Donc l'objectif pour vous, lorsque vous allez vraiment jouer sur ces textures, donc lorsque vous allez ajouter les articulations dans votre mouvement de freestyle, donc sur un mouvement classique, hein, V-step, basique, etc., etc.
L'objectif, en fait, c'est de jouer justement sur l'inertie, sur le rythme, sur le timing aussi de la musique, parce qu'il y a des musiques qui vont vous donner un timing beaucoup plus punchy, et il y a des musiques qui vont donner un timing beaucoup plus cool. Donc c'est à vous de jouer là-dessus. Les combinaisons, donc après, on peut varier, on peut ajouter des bras, enlever des bras, ajouter la tête, enlever la tête, etc., etc. Jouer aussi sur les reliefs, donc ajouter par contre un bounce, ajouter un curve, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, en fait, il faut les utiliser lorsque vous allez ajouter votre texture et lorsque vous allez ajouter vos couches. On avance un petit peu. Alors, la musicalité, pardon, et la relation musique-mouvement. C'est là où tout ce qu'on a appris au préalable va pouvoir être appliqué. La plupart des gens qui font du freestyle, en fait, ils comptent à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on est toujours sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et finalement, c'est vrai que le freestyle, c'est assez binaire. Maintenant, comment nous, on peut aller beaucoup plus loin, c'est en cherchant à voir comment on va compter la musique et on va compter la musique différemment par rapport aux autres instructeurs. Et là, je vais vous montrer en fait des techniques qui sont un petit peu complexes au début, c'est vrai, mais après, qui vont vous donner vraiment de l'épice dans vos chorégraphies. Alors, donc je vous ai dit, on a un bloc de 32 temps. On a première phrase, deuxième phrase musicale, troisième phrase musicale, quatrième phrase musicale. Donc ça, normalement, tout le monde le sait. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fonction du rythme, en fonction des BPM. Petite chose, petite précision que moi j'aime toujours dire, c'est lorsque vous faites des chorégraphies, donc le step l'aéro, faites entre 135 et 138. Pas besoin d'aller sur du 142, 145, 160, etc., etc. Pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas pouvoir jouer autant sur le style. Vous allez perdre sur la qualité du mouvement. Certes, vous allez être beaucoup plus fort, entre guillemets, sur les jambes, etc., etc. Vous allez peut-être avoir un cardio qui est plus élevé. Mais maintenant, imaginez, vous avez, prenez ça comme un entraînement. Vous sollicitez que les jambes. À aucun moment vous sollicitez les bras, parce que c'est ce qui se passe généralement lorsque vous dépassez un certain nombre de BPM. Vous allez être que sur les jambes, 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 et en fait vos bras ils vont pas forcément travailler. Est-ce qu'un corps qui sollicite les jambes est plus efficace qu'un corps qui utilise l'ensemble de ses articulations et des muscles? Et où est-ce qu'il va avoir le cardio qui sera meilleur? Ben, généralement c'est lui qui finalement mobilise l'ensemble de ses capacités, donc l'ensemble de ses articulations, l'ensemble de ses muscles. Si vous vous focalisez que sur les jambes, vous allez avoir peut-être un petit peu le meilleur cardio, mais quand vous ramenez vraiment sur la partie relative, quand vous essayez vraiment de voir les deux, mais en fait vous allez vous rendre compte que c'est lui qui utilise les bras, c'est lui qui utilise les sauts correctement, qui fait des mouvements avec une belle technique, eh bien, ça exige beaucoup plus de maîtrise de soi et donc du coup beaucoup plus de cardio et un coût énergétique beaucoup plus élevé. Ok? Très bien. Donc, pour moi, c'est entre 135 et 138. Si vous voulez aller un peu plus loin, allez-y, mais vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y aura une détérioration technique qui va se faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de présenteurs, voire même des coachs, qui ont juste une technique qui, pour moi, en fait, elle n'est pas jolie du tout. C'est pas travaillé. Et quand vous regardez vraiment des grands présenteurs comme Carlos Fares et tout ça, ils sont pas sur 145, 150 BPM. Ils sont sur des BPM qui sont entre 135 et 138. Très bien. On avance un petit peu. Donc le niveau 1, comment on compte? On le sait déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le niveau 2, normalement tout le monde le sait. C'est-à-dire que lorsqu'on compte les contretemps, on va avoir 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. And ici, et. And. Ouais. Okay? Le contretemps finalement correspond un petit peu à une inspiration qui est faite, donc 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc vous faites une inspiration, c'est pour ça qu'on le fait sur et. De niveau 3, donc la façon dont devrait compter la musique, c'est 1 et 1, 2, 3 et 1, 4, 5 et 1, 6. Ok? I and A, en fait ici, c'est le quart de note qu'on va avoir dans chacune des musiques. Donc ici, sur le BPM, on a 1, 2, mais nous, en fait, si on va aller beaucoup plus loin, en fait, on va essayer de compter aussi ce quart de note. Ce quart de note, lorsqu'on le compte, en fait, il va nous permettre de faire davantage de mouvements. Et c'est là où on va retrouver les triplés. Trois mouvements en un temps. Okay?
Donc un triplé, donc un pas de bourrée accéléré par exemple, il va être fait sur un temps finalement, mais en fait on va utiliser toutes les petites subtilités de la musique, toutes les quarts de notes. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on fait que des contretemps. Si on fait que des contretemps, on fait que trois mouvements en deux comptes. Ok? Et en quoi ça va nous aider en fait de savoir en fait ces choses-là? À nouveau, comme je dis, bah, vous pouvez jouer sur la fréquence et sur le rythme. Ajouter plus de mouvements dans un seul mouvement. Niveau 4, parce que c'est pas tout. Le niveau 4, c'est aller beaucoup plus loin et essayer de comprendre la musique et le son de votre musique. Lorsque vous allez par exemple compter, en fait, vous allez essayer d'identifier où c'est le bass, où c'est les snares, où c'est les hats, etc., etc. Alors, donc peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est en fait ce qu'on appelle la cymbale, le bass ou le drum, ou comment on appelle ça, la percussion. Okay? Donc, par exemple, vous avez des musiques, donc là c'est un exemple d'une musique, vous allez avoir en gros où ça fait 5 et 6, 7 et 7, 5 et 6, okay? Ça, 5 et 6 et 9. Ok, 5 and 6 and 7. Ok, et donc du coup, ben, comment on va utiliser ça? En fait, sur ici, donc ici, on va avoir un contretemps finalement, parce que ça fait 5 et 6 et 1, 7. Donc en fait, ici, je vais accélérer davantage, je vais faire un triplé. Donc ici, je vais faire un contretemps, ici, je vais faire un triplé, ensuite, je vais revenir sur une musique qui va être 7 et 8 classique. Ok, donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant lorsqu'on a une construction chorégraphique. Alors, ça nécessite un petit peu plus de temps parce que c'est à travailler, mais c'est quelque chose que vous pouvez l'appliquer aussi bien en pédagogie qu'en chorégraphie finale. Si jamais c'est trop dur, c'est vrai que ça peut être trop dur hein, lorsqu'on va faire 5 et 6, 7, 5 et 6 et 1, 7, ben en fait, peut-être le travail peut-être dans un premier temps juste sur une petite séquence d'une musique, juste sur une phrase musicale, donc ou une séquence d'un enseignement, et après petit à petit le transformer sur une chorégraphie. Okay? Et donc, c'est ce qui donne vraiment beaucoup plus de créativité dans vos chorés. Okay? Jouer avec la musique, jouer avec les textures, jouer avec les variations, jouer avec les propulsions. Et pour vous dire, on n'a toujours pas fini encore. Donc, cette musicalité-là, elle est hyper importante. Et moi, je trouve que si vous avez des cours qui sont monotones, des chorégraphies qui sont que sur les battements, bah, moi, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu, personnellement. Après, c'est ma vision des choses. Vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100%. On avance un petit peu. Donc une fois qu'on a maîtrisé ben, tous ces comptes-là, là, on va essayer de se repérer un petit peu, repérer pardon, dans tout ce qui est exploitation du support musical. Alors, lorsque vous avez une musique fitness, vous allez avoir toujours à peu près la même construction, la même structure. Donc vous allez dans un premier temps avoir une séquence vocale avec une intensité faible. Donc c'est généralement là où vous avez une personne qui chante, etc. etc. Et c'est en fait, c'est un moment, donc là ça, on est un peu sur l'aspect aussi pédagogique, c'est un moment où en fait vous allez pouvoir placer votre musique facilement, donc placer vos consignes facilement. Et c'est aussi c'est un moment propice pour utiliser tout ce qui est coaching. Donc appui au sol, sensation de travail, etc. etc. Ensuite, vous allez avoir une légère séquence vocale avec une intensité faible qui est ascendante, qui monte. Et donc, l'énergie, elle monte un petit peu, mais les basses sont encore faibles, quasiment inexistantes. Et donc, en gros, cette musique, en fait, elle va vous permettre de faire tout ce qui est fluidité de mouvement, bien détendu, etc. etc. Ensuite, vous avez la boucle musicale. Donc, c'est une intensité faible ascendante. Donc, on rentre dans le vif du sujet, on va dire ça comme ça. Et la musique s'emballe plus ou moins fortement en fonction de la structure de la boucle. Et elle vous permet de dynamiser le groupe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir, par exemple, des claps. Mais pas forcément des claps qui vont être tapés dans les mains, machin. Ça va être vraiment des claps tranquilles. On va essayer vraiment juste de se connecter avec les gens. Ensuite, vous allez avoir donc, le bloc basse qui va être juste avant. Avant enfin, qui va être un petit peu avant la montée musicale, et donc là on va essayer d'encourager un peu les gens. Ensuite, on va voir la musicalité, donc la musique qui va monter encore, et pour finir, on va voir le bloc basse 2 où c'est l'intensité maximale. C'est généralement ce qui correspond à votre drop où vous êtes boum 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 boum, et là en fait il faut vraiment être à fond. Donc là, il faut pas parler, il faut être juste avec les gens. Okay, donc cette structure-là aussi, elle est intéressante. Si vous la connaissez par cœur, ben c'est super parce que ça va vous aider à moduler un petit peu votre chorégraphie et aussi la pédagogie.
On avance, on descend, hop. Aussi, vous allez pouvoir, donc c'est les notions qui sont un petit peu plus complexes. Vous pouvez toujours essayer de les appliquer, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Vous avez la structuration interne, du temps interne, pardon. Il y a des choses en fait que vous entendez, que moi je n'entends pas forcément. Et vous allez interpréter, mais de rien, avec grand plaisir. Et vous allez aussi interpréter la musique différemment. Okay? Vous allez jouer un petit peu, donc vous allez entendre la musique d'une façon qui n'est pas la mienne. Donc par exemple, vous allez dire, bah, voilà, moi j'ai entendu ma musique, j'ai entendu lentement, puis ensuite j'ai entendu rapidement, j'ai entendu ce mouvement, mais j'ai envie de le reproduire différemment. Okay? Vous avez aussi la possibilité de produire des sons, frapper dans les mains, chanter, accompagner des percussions, etc. etc. Et après, vous avez la structuration, du temps externe. Donc c'est en rapport avec la musique. C'est respecter la pulsation de la musique, c'est reproduire la structure musicale, jouer avec les accents de la musique, à nouveau, traduire par le mouvement le climat de la musique. Par exemple, la musique, elle est douce. Ben, peut-être que vous avez vécu une expérience et vous allez chercher à vous exprimer sur cette musique-là, vous allez chercher à exprimer cette émotion. Okay? Traduire le mouvement par le biais de la vitesse de la musique. Donc si la musique, à nouveau, si elle est très lente, on va aller lentement. Si la musique, elle est rapide, on va laisser vraiment d'aller speeder, de mettre vraiment un maximum de musique. Ensuite, on va essayer aussi de rétablir un rapport contrasté entre le mouvement et la musique. Okay? À nouveau, en fait, c'est tout simplement jouer avec l'ensemble de tout ça pour créer une expression. Okay? Expression musicale. Très bien. Ensuite, voilà, les deux choses qui sont essentielles à savoir, donc lorsqu'on parle de la relation musique-mouvement, en fait, c'est tout ce qui est rapport quantitatif et tout ce qui est rapport qualitatif. Pour les rapports quantitatifs, en fait, ça va être tout ce qui est temps, mesure, phrase, mélodie, rythme et accentuation. Pour tout ce qui est rapport qualitatif, ça va être le style, votre caractère, l'ambiance, l'expression, l'énergie. Alors, on va parler plus du rapport qualitatif parce que ces choses-là, généralement, vous les connaissez un petit peu. Sur le caractère, par exemple, il y a des gens qui ont un caractère un peu plus fun, un peu plus détendu. Et les gens, en fait, ils vont utiliser ce caractère-là. Pour les gens qui ont un caractère un peu plus sensible, ils vont chercher à exprimer de la sensibilité dans leur travail. L'ambiance générale, donc de la musique aussi, l'expression à nouveau, elle est très importante, les émotions que vous allez chercher à véhiculer, puis pour finir, l'énergie. Est-ce que c'est une énergie un peu plus zen, un peu plus fluide, ou est-ce que c'est une énergie vraiment saccadée, très forte, très à fond, okay? Donc c'est à vous de voir en fait ces différents rapports, que ça peut être qualitatif ou quantitatif, et de jouer dessus. Et ça, la musique, elle va vous aider. Une chanson style Ava Max, elle va être Ava Max avec Kings and Queens ne va pas être la même que la musique de Bass Jax de Blaster Jax pardon qui va lui envoyer vraiment du pâté. Donc le Big Room et une musique pop rock mais ils vont pas donner la même expression. Très bien. Maintenant, une des choses que je trouve intéressante et qui se fait pas du tout dans les cours de fitness, c'est le storytelling. Alors, en fait, storytelling, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de raconter des belles histoires durant votre cours. Okay? Alors, moi, généralement, je sais qu'on me reproche parfois souvent, « Oui, Marco, tu ne fais pas toujours transpirer, etc. etc. » Alors, je vous explique. Pour moi, peu importe le cours, que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, l'objectif, c'est pas toujours, de transpirer. Okay? Je peux le faire. Si on veut faire que du cardio, on peut faire que du cardio. Mais moi, j'essaie toujours de raconter une petite histoire. Et c'est vrai que la plupart des gens, parfois, ne comprennent pas parce qu'ils ont peut-être certaines habitudes. Et c'est vrai que dans le freestyle français, on a toujours tendance à être un petit peu plus bourrin. On ne cherche pas forcément à travailler sur l'expression et tout ça. On est vraiment sur athlétisme pur et dur. Moi, je trouve ça... j'étais comme ça et je trouve ça dommage. Et plus j'avance, en fait, plus je me rends compte que l'importance de raconter une histoire dans le cours, elle est essentielle. Un cours qui a un storytelling qui est excellent, ça va être un cours qui va être mémorable. Mais ça nécessite beaucoup plus de travail qu'un cours où vous venez vous improviser une chorégraphie, où vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas forcément structuré ni les variations, ni votre pédagogie, ni quoi que ce soit. Mais bien évidemment, c'est parfois c'est à double tranchant, c'est-à-dire que
si les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, ben, ils vont pas forcément aimer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer ça en avance. Moi, lorsque je prépare un cours, j'essaie toujours d'avoir une histoire derrière. Et c'est compliqué parce que quand on n'est pas initié, il est très difficile de comprendre ce qu'on essaie de vous faire passer comme message. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans une histoire, en fait, que ce soit au cinéma ou lorsque vous lisez un bouquin, vous allez avoir donc un début, un milieu et une fin. D'accord? Au début, on va avoir une exposition. Au milieu, on va avoir une montée d'action, une crise. Ensuite, on va avoir un petit climax. Okay? Et puis à la fin, on va avoir un dénouement de l'histoire. Donc, notre héros, je ne sais pas moi, John McClane, se retrouve emprisonné dans Nakatomi Tower et il est entouré de 16 terroristes, machin, machin. Donc, on a une montée d'action, on a une exposition. Donc, lui, déjà, le sujet principal, il est là. Il a fait une montée d'action, il doit se débarrasser de tous les terroristes. On lui kidnappe sa femme parce qu'on a trouvé qui était sa femme. Le climax, c'est finalement, ben, il a réussi à se débarrasser de tous les terroristes et puis sauver sa femme. Et à la fin, le dénouement, il rentre à la maison pour le Noël. Voilà, ça c'est là c'est l'histoire de Piège de cristal. Et donc vous avez un début, un milieu et une fin. Et la même chose, vous pouvez le retrouver aussi dans les bouquins, Harry Potter, peu importe, vous allez avoir toujours ce genre d'événement qui va se reproduire. Maintenant, la question c'est, ok, très bien, Marco, tout ça c'est joli, mais comment est-ce qu'on transfère ces choses-là dans le freestyle? Et c'est là, en fait, où ça, c'est là où va falloir vraiment chercher. Dans le freestyle, en fait, vous allez avoir un début, un milieu et une fin pour chaque cours. Vous allez avoir, donc au début du cours, vous allez avoir une intro, donc présentation finalement de votre cours. Ensuite, vous allez avoir nombre de vos blocs et vous allez avoir éventuellement un show final. Donc, si c'est dans un cours de convention ou si vous voulez faire aussi un show final à la fin du cours. Et ensuite, vous avez outro. Donc, en fait, c'est les remerciements de la fin, etc. etc. Et ensuite, à l'intérieur, ben, en fait, vous avez différentes parties. Vous avez le bloc 1, vous avez le bloc 2, vous avez le bloc 3, vous avez le bloc 4. Et vous avez à l'intérieur de chaque bloc, vous avez des différentes phases lorsque vous allez faire votre pédagogie. Donc vous avez la phase 1 qui est la phase d'apprentissage, vous avez la phase 2 qui est la phase de répétition, et ensuite vous avez la phase 3 qui est la phase ludique ou la phase de style. Il y a plusieurs écoles, il y en a certaines écoles qui vont parler de 4 styles, de 4 phases. Moi, je me suis arrêté sur 3 phases parce que ça permet vraiment d'identifier la séparation. La phase, dans certaines écoles, par exemple, comme Euroéducation, vous allez voir la phase 3 et 4. La phase 3 et 4, finalement, elles sont à peu près identiques. L'expression et tout ça, on peut le faire aussi donc dans la phase 3. Mais après, si vous voulez aller utiliser aussi les autres écoles, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, ce qu'on voit, généralement dans la plupart des cours des instructeurs, en fait, la phase 1, la phase 2 et la phase 3, elles sont identiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation d'énergie, surtout sur le premier bloc. Le premier bloc, en fait, le début, le milieu et la fin, ils sont automatiquement identiques. Toujours la même énergie, toujours la même façon d'enseigner, toujours les mêmes consignes. Et ça, c'est pas bon. Okay? Donc déjà là, ça diminue un petit peu comment dire la construction de votre cours, et ça diminue aussi le charme de votre cours. Et ensuite, bah, vous allez avoir généralement sur le deuxième bloc, on a un peu plus d'énergie sur la phase 3, un peu plus sur la phase 3 dans le bloc 3, un peu plus sur le bloc 4. Et puis à la fin ici, on donne à fond. Et puis la dernière ici, on n'a plus d'énergie. Parce qu'en cette ici, on était tout le temps attaqué. On n'a plus d'énergie. Donc du coup, à la fin, bah, on fait un truc tranquille. Les intros, généralement, les premiers blocs, on fait ici toujours du stretching. Donc, ok, la connexion, c'est le stretching. Tiens, on s'étire un petit peu, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment les approches classiques. Comment nous, on peut évoluer, comment on peut changer? Donc, personnalisons un peu notre cours. On va avoir une approche personnalisée. Donc, mon intro, il est identique. Ok, je fais une intro, je me présente, je dis bonjour, au revoir, bonjour, je me présente, je m'appelle Marco. Aujourd'hui, je vais vous faire nanana, nanana. Ensuite, j'ai la phase 1, j'ai la phase 2, j'ai la phase 3. Comme vous voyez ici, le niveau d'énergie, déjà, il est complètement différent. Ma phase 1, elle va être énergie tranquille. Je ne vais pas balancer tout de suite tout ce que j'ai comme énergie parce que j'ai un show final ici à la fin. Et donc, du coup, il faut que je garde mon énergie. Et donc, du coup, je vais faire, donc, en gros, ici, concrètement, ce qu'on va faire, c'est un peu de interval training.
Okay? Et on sait qu'à l'intervalle training, finalement, c'est beaucoup plus efficace que si on n'avait que des phases 3 ici. Okay? Parce que la réalité, c'est que on essaie d'avoir les phases 3 ici, sauf que en termes de fréquence cardiaque, en termes musculaires, en termes de fatigue, à un moment donné, en fait, on va descendre. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir reproduire le show à la fin. Et donc, du coup, phase 1, phase d'apprentissage, vraiment trop tranquille. Phase 2, un peu plus énergétique. Phase 3, très énergétique. Et donc, on va essayer de reproduire à chaque fois avec une augmentation, finalement, qui va se passer au niveau de la phase 3 du bloc 4. Donc, ici, quasi, on est très élevé. Le show, le premier, on le fait à max. Ici, on fait le deuxième, on fait un petit peu plus bas. Donc, ça, c'est à nouveau une approche personnalisée. Maintenant, moi, je vais vous donner mon approche. Donc, c'est un peu, voire même plus complexe que ça. Mon approche, en fait, elle est complètement différente. Moi, ce que je fais, en fait, dans mon intro, donc je vais déjà faire une présentation, mais généralement, dans mes intros, je vais faire une connexion avec les bras. Donc, je ne vais pas forcément faire l'étirement ou quoi que ce soit, mais je vais chercher, en fait, à jouer avec la musique. Ma musique, elle me dicte. Donc, comme je sais, c'est une séquence vocale, mais je vais jouer sur cette séquence vocale. Généralement, je vais faire une connexion des bras. Donc, cette bras, ça va être vraiment des bras très simples. Je ne vais pas chercher à compliquer. Je vais faire des niveaux 1 des bras pour éviter en fait que les gens ils soient tout de suite perdus et qu'ils se disent c'est trop difficile. Donc, vraiment des bras très très simples. Après, ça va dépendre de la musique et du temps que j'ai devant moi. Une fois que j'ai fait ça, ensuite, je vais faire une pédagogie qui va être rythmée sur le 16 premiers comptes. Ma choré va être super super simpliste. Mais par contre, mon niveau pédagogique, ma vitesse d'enseignement, il va être très rapide. Donc, en 1 minute 15, on a 16 temps. Très rapide, très efficace. Parfois, ça peut surprendre. Parfois, en fait, il y a des gens qui aiment ça. Parfois, ça peut être très surprenant. Et du coup, ils se disent, ah, mais c'est qu'est-ce qui se passe, machin, ça va être un cours très difficile. Et quand vous regardez finalement les éléments, quand vous les analysez, vous vous rendez compte que les éléments, ils sont super, super faciles. Mais ça, c'est en fait pour avoir une bonne concentration pour les gens. Ensuite, une fois que j'ai fait mon 16, là, mes phases, en fait, je redescends un peu, le niveau, il descend, ma musique, elle descend, et je construis progressivement ma phase ici. Donc, quand vous voyez ma première partie de mon intro ici, elle va être très explosive, et après, à nouveau, je descends. Et ma partie ici, elle est plus élevée que mon phase 3 ici. Pourquoi? Parce que je veux absolument, en fait, les choquer un peu. Parfois, ça sent bon. Parfois ça peut être à double tranchant aussi. Donc c'est à vous de jouer là-dessus. Sur les méthodes en fait que je vais utiliser, moi j'aime bien une méthode que j'ai commencé à maîtriser que depuis cette année, c'est l'insertion à la japonaise. C'est une superbe méthode qui est hyper, hyper sympa, hyper intéressante. Et ensuite je vais ajouter aussi étape par étape. Ces deux méthodes pour moi, elles sont cool parce qu'elles sont hyper intéressantes. Pour solliciter les gens dès le départ. Okay? Une fois que j'ai fait ça, sur mon deuxième bloc, en fait, je vais travailler sur les insertions des 8 bras, donc les 8 temps des bras, que j'ai appris ici. Donc les bras très simples. Donc ici, les insertions ne vont pas se faire sur des ball change ou quoi que ce soit. Mes insertions de bras, elles vont se faire sur des basiques, sur des V-step. Ça va être vraiment un truc hyper, ou même sur les genoux. D'accord? Et je vais utiliser une méthode de 24-8. Donc c'est la méthode, en gros, donc où je fais une insertion. À partir du moment où j'ai eu mes 8 comptes, et le reste du temps, en fait, je vais travailler sur 24 temps. C'est-à-dire que je vais. Finalement, c'est une méthode globale sur 24 temps avec une insertion sur 8 temps. Une fois que j'ai fait ça, sur mon troisième bloc, je vais travailler sur une méthode d'addition, mais je vais beaucoup plus concentrer sur la phase d'apprentissage et je vais ajouter des éléments de style. Et à nouveau, mon bloc, en fait, il va être asymétrique. Et puis pour finir, donc sur le cardio, ici, je vais faire un bloc. Donc j'ai passé moins de temps sur l'apprentissage, moins de temps sur la répétition, mais mon cardio va être très élevé. Et finalement, en fait, ça va être un bloc symétrique très court, très efficace, parce qu'il faut justement que le cardio, il faut qu'on rattrape. Par exemple, si ici, il y a eu un souci, il faut que je puisse rattraper, il faut mon bloc ici, il va être hyper, hyper, hyper simpliste. Il y en a certains, ils préfèrent faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils préfèrent mettre directement les cours cardio simples dès le départ. Pour ensuite capter les gens et tout ça. Chacun son truc. C'est vrai que moi je préfère. Ça c'est juste un exemple, mais c'est vrai que quand il s'agit des cours débutants, je n'ai pas du tout la même approche. Là c'est plus une approche lorsqu'il s'agit d'un cours intermédiaire, avancé, où je sais en fait qu'ils vont pouvoir le faire. Je me laisse une petite phase où je vais éventuellement faire
des coupés ou des insertions. Donc ça, c'est option. J'ai fait mon show final une première fois à fond, donc en essayant vraiment de garder mon cardio. Et puis pour la fin, je mets encore un show qui va être jusqu'au bout, vraiment sur une musique qui envoie lourd, 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 pour en fait vraiment finir en beauté. Après, voilà, c'est à vous de construire votre pédagogie, c'est à vous de construire vos blocs, c'est à vous de voir en fait ce qui peut être intéressant pour vous. Plus vous êtes en construction, plus vous êtes en réflexion, bah, plus vos cours ils vont être intéressants. Et moi, bah, derrière, en fait, je crée mon CD, donc plus de ça. Donc quand je crée mon CD, bah, en fait, j'écoute bien ma musique, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment d'être attentif à ma construction. Et donc du coup, je sais exactement où sont mes phases, je sais exactement avec la musique qu'est-ce que je vais faire. Donc ça me nécessite plus de temps, mais ça vaut aussi son prix, quoi. Ensuite, on va finir donc sur tout ce qui est méthode pédagogique et le rythme de l'enseignement. Alors, la méthode, oui, la méthode des 24-8. Alors, il n'y a pas de souci. La méthode des 24-8, c'est très simple. Mon objectif, en fait, ça va être de faire le plus rapidement possible les 24 temps. D'accord? Donc, par exemple, sur un cours asymétrique, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? On va faire un V-step, deux stamps, un baby mambo. OK? Donc là, je suis à 12. Et ensuite, je vais ajouter deux steps genoux de chaque côté. OK? Donc, si je regarde bien, j'ai tout de suite 24 temps. Un V-step, ça en fait 4 temps. Deux stamps plus un baby mambo, ça en fait 8, donc ça me fait 12. Deux steps genoux de chaque côté, ça me fait 12 comptes. Donc, en tout, j'ai 24 temps. Et il ne me restera que à faire des step touch. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais travailler, par exemple, je vais faire une petite piqûre de rappel sur mes 8 comptes de bras. Donc, mes bras, par exemple, j'ai gauche, droite, lève, descend, OK, qui va être sur de la marche très facile. Une fois que j'ai fait ça, en fait, quand j'ai fini toutes les variations de mes 24 temps et que j'ai fait un rappel sur mes 8 temps, je vais faire donc la liaison, l'insertion entre ces deux méthodes, enfin, entre ces deux parties. Et en fait, mes 8 ans, en fait, ils vont être travaillés sous forme d'isolation. C'est-à-dire que je vais les isoler exprès pour ensuite les rejoindre et avoir mes 32 temps. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? Ok. Alors, si c'est bon, bah, tu m'envoies un message et puis moi, je vais avancer un peu sur la musicalité et je vais te répondre. Alors, donc lorsqu'on va observer nos adhérents, donc surtout sur la partie pédagogique, on va essayer d'observer leurs habiletés motrices, le rythme, l'espace, le show, donc la présence, et puis aussi la création chorégraphique de chacun des niveaux différents en fait des adhérents. Donc les débutants en fait, ils vont avoir un certain type de mouvement, un certain type d'habileté motrice. Les intermédiaires aussi et les confirmés, les avancés aussi. Donc on le voit chez les débutants en fait, on va avoir des mouvements de faible amplitude qui vont être relâchés, qui vont être fléchis, qui vont être imprécis dans leur forme. Et donc ils vont avoir une difficulté à associer les bras et les jambes. Alors que pour les avancés, en fait, vous allez avoir des mouvements qui vont être hyper précis, amples, dynamiques, etc. etc. Et donc, du coup, ben, vos pédagogies ne vont pas être les mêmes. Vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes consignes, les mêmes donc les consignes de placement, consignes de sécurité, consignes imagées, consignes de rythme, consignes de sensation, etc. etc. Ils ne vont pas être les mêmes pour les débutants que pour les avancés. Moi, personnellement, je préfère travailler avec les débutants. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis obligé de travailler davantage mon coaching. Sur un mouvement avancé, j'ai pas besoin de travailler mon coaching. Sur des personnes avancées, j'ai pas besoin de travailler mon coaching. Je n'ai absolument pas besoin de leur dire « Ouais, mais le bras, il faut qu'il soit hyper tendu, machin, machin. » Donc, les avancés, en fait, ils vont suivre. Par contre, les débutants, vous avez besoin de leur expliquer. Et c'est là, en fait, ça va devenir intéressant sur la démonstration, sur l'enseignement. Ici, on est beaucoup plus sur l'enseignement, sur les débutants. Sur les avancées, on est beaucoup plus sur la démonstration. Okay? Maintenant, sur les intermédiaires, on va être entre les deux. Mais personnellement, à nouveau, je vous dis, il ne faut pas négliger l'aspect enseignement ici aussi.
Même si c'est vrai que la plupart des gens, ils sont là, ah non, mais, allez, on y va, on envoie, step ball change, c'est parti. Et parfois, dans l'enseignement, donc ce qu'on voit actuellement chez les instructeurs, malheureusement, on ne parle plus, on ne l'explique pas, on ne donne pas des consignes, on ne parle pas. Et donc, du coup, on retrouve que des gens qui sont en train de faire des queuing, parfois pas du tout. Et en fait, c'est que de la démo. C'est pas ça le freestyle. Le freestyle, c'est de l'enseignement d'abord. Idem pour les autres habiletés motrices, hein, que ce soit pour le rythme, pour l'espace, pour le show et tout ça, on va voir vraiment. Et donc, du coup, à nouveau, je me répète, il faut être très très bon dans l'enseignement. Donner des consignes, dites aux gens ce qu'il faut faire. Consigne A, consigne B, consigne C. Placez votre pied, mambo sur la jambe droite, etc. etc. Il faut le préciser, c'est très très important. De toute façon, vous allez avoir le PDF, donc vous allez me laisser vos mails, je vous enverrai les PDF, et puis comme ça, vous allez pouvoir en fait bon, je vous laisserai moi mon mail, et puis vous allez pouvoir m'envoyer un message, comme ça je peux vous l'envoyer. Donc le niveau de difficulté du cours, pardon, va dépendre du dosage entre les variations, les méthodes et la vitesse d'apprentissage. Et on va voir justement les différentes méthodes. On a déjà vu les variations, et on va voir aussi les vitesses d'apprentissage. Alors, concernant les vitesses d'apprentissage, en fait, vous avez des vitesses d'apprentissage donc de faible, moyenne, élevée. Et sur le niveau technique, bah, pareil, vous allez avoir des niveaux techniques simples, moyens, ou un niveau technique très complexe. Donc, pour les niveaux avancés, bah, comme je vous ai dit, ça va être sur les techniques complexes avec des niveaux d'apprentissage très élevés. Sur les personnes donc débutantes, ben ça va être niveau faible, niveau simple. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Marco, si je fais un niveau élevé en termes de vitesse d'apprentissage et un niveau technique simple, ben vous allez en fait finalement vous rendre compte que vous allez décaler d'une case. Parce que même des niveaux techniques simples avec des vitesses d'apprentissage élevées, et on se rend compte ça lorsque par exemple on fait ce qu'on appelle le fast pacing, c'est-à-dire qu'une répétition, un mouvement, une répétition, un mouvement, ben en fait on se rend compte que même sur des techniques très très simples, ben les gens, ils ont du mal. Et donc, du coup, nécessite parfois un niveau intermédiaire, voire un niveau avancé. Okay? Donc, c'est à vous de savoir doser. Pour les débutants, vitesse d'apprentissage faible et vitesse d'apprentissage simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, niveau d'apprentissage faible, ça veut dire qu'en gros, je vais prendre deux stamps à Baby Mambo. Plutôt que de le répéter, genre, une fois, deux stamps Baby Mambo, et après, je passe, en fait, je vais faire deux stamps Baby Mambo, mais je vais le répéter trois fois, ou quatre fois, ou cinq fois maximum. Cinq fois, c'est pas mal. Cinq fois avant de faire une variation. Okay? Parce que les gens, ils ont besoin d'apprendre correctement le rythme. Donc, pas besoin d'aller plus loin s'ils l'ont pas, si ils l'ont pas, en fait. Si vous voyez, par exemple, que bah, ça suit pas. Okay? Donc, répétez plus pour que les gens ils puissent ancrer. Et puis ensuite, vous pouvez aussi jouer sur la difficulté de la technique. Et donc cette difficulté, en fait, elle va dépendre du nombre d'éléments qui va la constituer. Deux stamps, c'est toujours plus facile que de faire step over the top, que de faire saut kickball change avec un box step. Ok? Là, c'est beaucoup plus complexe. Pourtant, c'est le même nombre de comptes, hein. Mais ici, comme il y a un saut, comme il y a un kickball change, une variation de style, une variation de propulsion, une variation de rythme. Ben c'est beaucoup plus complexe. Ici, c'est juste une variation d'orientation. Ici aussi, on peut avoir une variation d'orientation. Ici, c'est tout simplement deux stamps en face de vous. Donc, du coup, c'est pas du tout la même difficulté. Et donc, c'est à vous de décider. Ben, dans ma pédagogie, en fait, finalement, je vais jouer sur les éléments qui vont être simples. Ou au contraire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de jouer sur les éléments qui vont être un peu plus complexes. Et après, c'est à vous de répartir. Je peux, par exemple, faire très complexe. Pas du tout complexe, très complexe, pas du tout complexe, très complexe, intermédiaire, pas du tout complexe. Ok, donc c'est à vous de jouer sur les différentes techniques. Vous avancez un petit peu. Ensuite, donc comment on va appliquer notre pédagogie? Donc on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans chacun des niveaux, donc ça c'est step ou aéron, hein, dans chacun des niveaux, vous allez avoir donc des sous-niveaux concrètement. Vous allez avoir des gens par exemple qui ont niveau, donc en step débutant, step 1. On va avoir de l'initiation, on va avoir du niveau débutant, on va avoir du niveau débutant confirmé. Donc pour l'initiation, on va faire tout ce qui est apprentissage des pas de base, aucun tour pendant votre choré. Et vous allez faire 4 répétitions minimum par mouvement.
D'accord? Donc je fais quatre basiques, je fais quatre V-steps. Il faut que les gens ils apprennent le rythme. Et déjà ça, vous allez vous rendre compte que c'est complexe. Et les méthodes qu'on va utiliser, ça va être les méthodes par étapes, ça va être les méthodes de dédoublement, ça va être des méthodes linéaires, extraction, pyramidale et addition. Vraiment des méthodes très très simples. Ensuite, sur le débutant, on va commencer. Alors, normalement, l'étape, moi, personnellement, je la verrais même plus ici qu'à l'intérieur ici. Dans le step débutant, en fait, tout ce qui est apprentissage des pas de base, on va avoir un tour par bloc maximum. Okay? Et donc, du coup, bah, pareil, on va avoir une méthode qui va être globale. Toujours dans l'idée de travailler le cardio et le rythme. Et ensuite, on va avoir le step débutant confirmé. Donc, on va avoir des apprentissages de pas de base avec certes quelques petites variations. Ça peut être un petit ajout de bras. Par exemple, vous faites un 2 basique avec d'ajout des bras. J'ajoute des bras, tout simplement, on lève les bras au-dessus. Ben ça fait une variation simple. Et vous avez donc 2 reps par mouvement. Et donc, après, vous pouvez utiliser les méthodes de liaison, c'est-à-dire du 16-16 déjà. Hein, ne compliquez pas trop. Du 16-16. Vous pouvez faire un peu du cross-phrasing. Alors, les baby mambo, par exemple, ça fait partie du cross-phrasing. Vous faites deux fois baby mambo. Baby mambo, baby mambo, baby mambo, baby mambo, ben vous êtes sur un cross-phrasing puisque vous êtes sur 12. Vous êtes en train de croiser une phrase musicale. Croiser deux, pardon, phrases musicales. Donc, vous êtes sur un cross-phrasing. Et puis après, vous avez des substitutions, c'est-à-dire vous faites un remplacement de, je sais pas moi, deux stomps par un chassé-chassé. Okay? Donc, déjà un peu plus complexe. Sur le niveau intermédiaire, ben on va avoir les pas de base avec des variations et les apprentissages avec donc des transformations. Et des combinaisons. Donc, on va avoir une chorégraphie qui va être très aérée. On va avoir les méthodes par insertion. Donc, on va avoir des petites méthodes d'insertion, des méthodes de déplacement d'éléments. Par exemple, j'avais un basique au début. Maintenant, en fait, j'ai fait une post-insertion. Et maintenant, mon basique, enfin, il se trouve à la fin. Donc, ça, c'est une méthode par insertion. Et puis ensuite, on va commencer à travailler tout ce qui est phase d'eau. Pour tout ce qui est débutant, moi, je ne conseille pas du tout de faire des phases d'eau. Après, c'est vrai que certains coachs, ils osent faire du phase d'eau. Après, ça dépend du phase d'eau aussi. Si c'est un phase d'eau avec un genou ball change, ça va être compliqué. Step confirmé, ben, on va avoir les phases de bas, pas de base, pardon. Les variations simples, les variations complexes, les transformations et les combinaisons différentes. Donc, on va ajouter beaucoup plus de variations d'éléments. Donc là, ça va être que aéré. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est coupé-croisé, des méthodes par extension et les méthodes d'option avancée. Alors, coupé-croisé, ben, en fait, c'est une pyramidale où on coupe et on croise. L'extension, en fait, alors celle-là, elle est un peu plus complexe. L'extension, en fait, vous allez apprendre tout à droite. Puis à un moment donné, vous vous dites, ok, c'est très bien. Maintenant, je vais faire tout à gauche. Yes. Et ensuite, pour finir, je vais avoir un step avancé. Donc, en fait, je vais avoir donc un ensemble de toutes ces caractéristiques qui vont être condensées. Et puis après, je vais pouvoir utiliser toutes les méthodes. Et ça va dépendre, en fait, finalement, du bloc et de votre envie, de votre construction pédagogique et tout ça. Pour aller un petit peu plus loin aussi dans la création, vous allez pouvoir donc varier, changer l'ordre des pas. Donc, je peux avoir un lift ball change, puis ensuite un genou twist, puis un switch. Ou au contraire, bah, en fait, je peux commencer par un genou twist, un switch, et ensuite ajouter un lift ball change. Et après, en fait, vous pouvez croiser et jouer comme vous voulez avec votre musique et avec votre création, finalement, des pas. Je vous donne aussi un exemple d'organisation des blocs dans les cours, donc suivant les niveaux. Donc, sur les cours, donc, on va dire qu'on a 4 blocs par cours. On va voir donc dans le niveau initiation des mouvements simples avec vitesse d'apprentissage hyper lente, ça c'est quelque chose qu'on a dit. Donc là c'est plutôt de la tactique, c'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de suivre à la lettre, mais c'est des choses en fait qui vont vous aider à savoir en fait avoir au moins une idée de tactique de construction de vos blocs. Ok, c'est vous qui derrière allez jouer là-dessus. Donc idem pour les niveaux intermédiaires. Et niveau avancé, ben on va voir donc vraiment une tactique qui va être différente par rapport au niveau débutant. Donc VAL, ça veut dire vitesse d'apprentissage lente. VAR, ça veut dire vitesse d'apprentissage rapide. Yes. Une fois qu'on a fait ça, ben après pareil pour les niveaux avancés, vous pouvez jouer sur les différentes modalités. C'est à vous de. Là, c'est juste à titre d'exemple. Il y en a autant d'exemples que vous voulez. Ensuite, on peut aussi jouer sur les variations pédagogiques, c'est-à-dire on va chercher à respecter les appuis. Donc, par exemple, si vous faites 5 comptes, alors ça reste tout le temps 5 comptes.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcément utiliser des méthodes de substitution dans certains cas. Okay? Parfois, on peut pas substituer certains pas parce que si c'est 50, ça reste 50. On va respecter aussi, donc on a aussi une autre école qui nous dit, pédagogique, qui nous dit, bah, si c'est de la marche, alors ça restera toujours de la marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un deux stamps, donc qui est de la famille des marches, et je ne peux pas le changer en chassé pas de bourrée. Je ne peux pas le changer. Même si chassé pas de bourrée, ça fait 50, et que marche deux stamps, ça fait 50, eh ben, je fais que marcher. Donc ça veut dire que ça va être un step kickball change box step, ou un step over the top. Okay? Donc je suis obligé d'utiliser que les familles issues de la marche. Ensuite, il y a d'autres écoles qui disent, ben, si on veut, donc si l'action est à 2, ben, on va devoir garder toujours l'action à 2. Et ben là, c'est pareil. Nous, on va chercher tout simplement à dire, ben voilà, mon action, il est du step genou à 2, ma variation, elle est obligée d'être à 2. Point barre. Et puis après, vous avez une autre façon de faire qui est en fait combiner toutes ces méthodes. Et donc là, vous pouvez utiliser les principes comme vous voulez. Et ça peut vous aller très loin, ça peut vous amener très loin dans votre création chorégraphique. Deux dernières diapos et après on a terminé. Donc, vous donnez juste un exemple, donc une espèce d'arborescence quand il s'agit de création chorégraphique. Je vais me dire, moi, Marco, j'ai envie de faire un chassé. Okay? À partir du moment où j'ai envie de faire un chassé, je vais utiliser mes pas de base. Mes pas de base, donc mes trois familles de pas de base. J'ai soit la marche, soit le tap, soit le touch. Bah tiens, après mon chassé, j'ai envie d'ajouter un mouvement issu de la marche. Et ensuite, je vais continuer avec un pas issu de la marche. Et ensuite, je vais continuer avec un pas issu de la marche. Okay? Donc, j'ai un chassé, kickball change, L-step, baby mambo. Ou je peux avoir un chassé, kickball change, mambo, T-step, back, etc. etc. Okay? Donc, ça, c'est si je choisis que cette partie-là. Une autre façon de faire, c'est, bah, tiens, j'ai fait un chassé, puis ensuite, tout de suite après, je vais avoir un tap. Donc, je vais avoir un chassé, puis suivi d'un ball change. Ou suivi d'un kick, ou suivi d'un cœur. Ou chassé, turn ball change, kick, cœur. Les cœurs, donc les cœurs c'est talons fesses, ok, donc c'est après c'est libre, idem pour le touch. Maintenant je peux me dire, bah tiens Marco, ça peut être hyper intéressant si je variais tout ça, c'est-à-dire que si je commençais par le chasser puis ensuite je mettais de la marche, tout de suite après de la marche je mets du tap et tout de suite après le tap je fais du touch, donc ça me fait chasser mambo puis kick puis step twist par exemple, ok. Après c'est que du puzzle, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui jouez comme vous voulez. Déjà, vous allez voir, juste avec ça, vous avez un paquet de combinaisons à faire sur votre travail. Okay? Ça, c'est une approche. Une autre approche que vous pouvez faire, ben, vous pouvez par exemple partir sur ben, soit chasser twist back pirouette, soit chasser genou, puis après vous allez jouer et créer autant que vous voulez. Donc après, l'arborescence, si vous voulez, la création, c'est quelque chose qui est libre. C'est quelque chose voilà, qui va vous permettre derrière d'avoir des chorégraphies multiples, mais il faut avoir des outils. Et tous ces outils-là, tous ces outils qu'on a vus tout à l'heure, donc je reviens un petit peu en arrière, pour vous donner juste les exemples. Donc pour revenir ici au sommaire, hop. Tous ces outils-là, donc les 5 clés d'enseignement, les 7 variations, les 8 facteurs de style, la musicalité, le storytelling, des textures, les méthodes pédagogiques, en fait, c'est ça qui va vous donner la possibilité d'être beaucoup plus créatif. Donc, il faut les maîtriser, ces outils-là. Pour ce faire, ben, je vais vous envoyer, donc, je vais vous laisser mon adresse mail pour que vous puissiez envoyer. Donc, je vais donner, donc, c'est Andro qui va vous écrire ici. Hop, alors. Hop, je suis en train d'écrire. Hein. Marco.krajivic. Très bien. Et hop, on voyait. Donc envoyez-moi un mail donc sur l'adresse mail ici pour que vous puissiez recevoir derrière les diapos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer directement. Moi j'ai un shooting à faire juste après, donc malheureusement je n'ai pas forcément de temps à vous accorder là juste après
la formation, mais n'hésitez pas à m'envoyer des ou éventuellement même des vidéos hein, si vous voulez. Envoyez-moi des vidéos, envoyez-moi des questions, envoyez vos mails pour que je puisse moi de mon côté vous répondre. Et n'hésitez pas à travailler vraiment dessus, dessus, bosser, bosser, bosser. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, n'hésitez pas aussi à revenir sur la chaîne YouTube, voir aussi des chorégraphies qu'on a déjà fait. Hein. On a plus de 1000 chorégraphies maintenant. Donc vous pouvez toujours les voir. Moi, je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à faire des choses. Si jamais vous avez par exemple une demande particulière concernant un live, concernant quelque chose que vous voulez voir, que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler, ben, n'hésitez surtout pas. Moi, j'essaie de rester dispo et on va essayer de faire peut-être prochainement une mini formation sur 1 mois, donc tous les dimanches, pour ben, en fait vous aider à vous améliorer ben, dans tout ce qui est ben, voilà, création chorégraphique, etc., etc. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir de vous être connecté sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite que de meilleur pendant cette période de confinement. Restez en bonne santé. Et puis, ben, on se voit très très bientôt.